Oui, c'est très important. Toujours bien touiller le café, même s'il n'y a pas de sucre dedans. Parce que le bruit de la faïence peut horripiler certaines personnes. C'est vachement agréable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les amis, dans The Big Gamoski? Je vous emmène dans un bon jeu, mais il faudrait juste que je désactive ça. Ça serait vachement mieux. Oh oui, tu as tellement raison. Quel est ce jeu? Bah, ça va faire partie des mal-aimés. Et quand on utilise ce terme en général, c'est pour aborder un sujet qui mériterait davantage de compassion et qui n'a pas eu ce qu'il méritait en fait. Je vous parle de Shenryu, Shenryu même. Tout le temps le premier Ri. C'est un shmup qui est sorti en 1997 et qui n'a pas révolutionné le domaine. Mais qu'avait l'intérêt déjà de nous amener une nouvelle boîte de développement sur le devant de la scène? Et donc ce jeu est sorti en arcade et en version Saturn, il me semble, et n'a jamais quitté son île japonaise pour venir nous envoyer ses boulettes à travers le monde entier. C'est fort fort dommage, parce que, et d'une, le jeu est jouable, mais on en reparlera, et de deux, c'est joli, sans être extraordinaire, mais ça fait bien rétro-80s, quoi, 90s, pardon. Donc oui, on est en plein rétro 90, donc il y a du pixel, mais il commence à avoir un joli boulot, quoi, ça a vraiment de la gueule. Et le troisième truc que je voulais dire, je ne m'en rappelle plus, mais on verra bien pendant le jeu, puisque à un moment ou l'autre, il va bien falloir insérer des crédits, et je crois que ce moment est arrivé pas plus tard que maintenant. Et maintenant, c'est now! Regardez-moi cette bouille d'amour. Alors oui, le jeu n'a rien inventé. Mais bon, vous arrivez en 97 avec votre boîte Washari, Warashi, NC là. Et vous faites voir ce beau bébé. Moi je suis désolé, les gens vous applaudissent s'ils sont un minimum fair play. Fais-nous voir une autre démo. Donc voilà le pépère, ça fonctionne avec de la bombasse, hein, comme d'habitude. Oui, je touille encore le café, mais il y a du sucre, je vous rassure. Et donc, il va y avoir de la bonne distribution de boulettes apparemment. Petit spoiler, le tir avec les éclairs, je crois que c'est le meilleur de tous, hein, parce qu'il envoie vraiment du gras. Et moi, le seul détail que j'ai pu remarquer, parce que j'ai fait un petit lancement, curieux que je suis, et puis pour vérifier le stream, c'est que, en fait, la progression du jeu, elle est un petit poil bancale pour le fait que quand on perd tout son équipement, il y a certains passages où quand on redémarre, ça pince un peu, quoi. Mais sorti de ça, on a l'effet inverse dans le jeu, c'est-à-dire il est super fastoche. Du moment qu'on prend soin de ne pas se faire shooter pour avoir l'équipement à donf. Et là, ça envoie vraiment du gros. Je vais boire, hein, quand même une petite lampée pour me. Parce que j'ai la voix rocailleuse, hein. Je sais pas si vous sentez. Et puis ça permet de voir une autre démo. Ouais, je vais monter le retour. Et on va se rusher dans ce petit mal-aimé. Je vais essayer d'aller très loin, voire même de faire le run en entier, j'en sais rien. On s'empêchera pas d'essayer de jouer comme il faut. Donc il n'y a pas 36 000 boutons, je répète, hein. Bouton de tir, bouton de bombe, merci, au revoir, à bientôt. Et c'est péchu, jolie musique. S comme speed, mais que voulait-il dire par speed? Il y a des petits bonus en forme de lampion rouge ou bleu, j'ai remarqué. Ça doit être pour scorer un petit peu quand on est en mode énervé et qu'on connaît un peu le jeu. Alors les trucs bleus, je sais plus ce que c'est. Ah bah voilà. Je pense que si je garde ce tir jusqu'à la fin du jeu, y a moyen de le one CC, quoi. À moins que je tombe sur un boss rotor et que je ne connais pas les boss. Oui, bah pour moi tous les boss vont être rotor un petit peu. Regardez-moi ce balayage qui fait, je ne vise rien. Et ça fait mouche à chaque fois. Que ce soit à gauche, à droite ou au milieu de l'écran. Et donc là je vais en profiter pour accumuler un stock de bombes parfaitement indécent. Et je vais le garder sous le coude pour l'éventuel passage où j'aurai des amis soit trop nombreux, soit trop blindés. Merci.
j'ai pas fait attention en fait. Le tir voisin dans ce mode là ça va. Bonjour, tu arroses toujours autant la gauche, la droite et le milieu de l'écran. Oui je sais, c'est un vrai talent. Alors le jeu est vif, enfin vif, il est souple, voilà. Il est super lisible malgré le fait que, bah oui c'est la classe, tu fais des ennemis qui tombent en miettes devant nous, quoi, pas qu'ils disparaissent instantanément de l'écran, vaporisé par miracle, donc c'est chouette. Les graphismes, bon bah, ça c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Et la jouabilité, pour l'instant on n'a que du classique. Ça a failli, jeune homme. Oh non! Alors, un truc qui est marrant, c'est que sur les côtés, du coup, le pépère vous donne. J'ai pas essayé la bombe. Noir de bonus. C'est l'argile bonus. Mon truc bleu, c'est mon tir favori. Ah mais c'est des LED en fait qu'on ramasse. Ce jeu avait entrevu le futur. Avec tous les affichages LCD. Il était décidément trop en avance pour son temps. Alors 97, oui bah on avait d'autres jeux. On avait Cave qui commençait à faire un malheur dans les salles d'arcade. Enfin avec qui j'étais bien installé on va dire. Je sais pas ce qui est arrivé à ce jeu pour que... soit pas davantage connu quoi. Ce qui mériterait. Un débutant, il va s'y retrouver. Un gars qui score un peu, bah, il a moyen de s'occuper, parce que je connais pas toutes les subtilités pour faire du gros scoring là-dessus. Mais j'ose imaginer qu'il devient avoir. Le laser. Non, monsieur prévient, faut bien écouter. Et monsieur prévient quand il fait son laser. Je passe devant, parce que c'est tombé. C'était bizarre comme passage ça. C'est peut-être ce qui a fait que je n'étais pas connu. Oui, ben, j'ai de la bombe en rab, je vais en profiter un petit peu. Ce serait moche de se cracher juste avant. Juste avant qu'il y ait de l'action. Et le tir magique, ne quitte plus ce tir, garde ce tir jusqu'à la fin. Il est un peu long à déclencher, mais il fait un tel massacre sur l'écran. Ce serait moche de ne pas en profiter. Quoi. Et il me nargue avec le boss qui est en train de se construire par en dessous là. Ce jeu est super bien, moi je le mets dans les validés déjà. Après, allez savoir s'il mériterait pas de monter le prix. Alors les gars qui avaient une Saturne à l'époque, bon, au Japon seulement, dommage. Merde, t'aurais pas dû prendre ce tir. Les gars qui avaient une Saturne, ils devaient frimer quand même. Oui, oui, oui. Je vérifie juste que j'ai pas un autre bouton. Ok, oux. Parce que des fois ça m'arrive de faire des streams et de me rendre compte au troisième, au quatrième niveau. Ah mais on pouvait faire ça avec ce bouton là. Non, non, c'est bien deux boutons, je vous rassure. Il n'y a pas nombreux. Ces réacteurs, je les sens pas. La lisibilité, elle est un poil juste. Hein. Bleu, bleu. Ça fait beaucoup de bleu pour un bleu. Tant qu'il joue pas avec ses réacteurs, c'est bien. C'est quand il va se mettre à jouer avec les turbines. Je ne peux pas être d'accord. Oui, ben, perte de sang-froid, ça arrive. Je vous y verrai bien, vous. Je vais cracher un peu la gueule. Là. Ah, espèce de gros molard gluant. Ça venait du fond du cœur. Tiens, 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 tiens. Non, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux parce que je suis sûr qu'on n'était pas loin de te finir. Ah non, il a... Elles sont apparues en cours de route, ces tourelles, c'est pas possible.
Elle va me gonfler, comme on dit techniquement dans le langage commun. Wizan effet. Très important cette liaison sur le i. Oh putain. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et d'un coup, il dégaine des patterns un petit peu moins classiques. Et forcément, on se fait surprendre la première fois, après, c'est très drôle. Faudrait que je baisse le son du jeu un petit poil, je pense. Voilà qui devrait être mieux. Tant pis pour moi, s'il y avait des bonus sur l'écran, je n'ai rien vu. Tant pis pour moi, j'ai eu le voile noir, comme disent tous les pilotes chevronnés. Et on y retourne. Ce jeu est validé et moi perso, bah, vu que je l'ai pas connu, j'ai très très envie de le faire, de l'explorer en entier quand même. Il a une bouille d'amour. Un petit speed, je savais pas contre. Parce que là j'ai quand même un tracteur d'espace, je crois. Salut, c'est Dédé. Hey Dédé! Qu'est-ce que tu fais dans mon stream? J'ai eu une pause dans les bras et je suis venu, on a arrêté le développement d'un nouveau software. Un mou logiciel. Et là, je voudrais dire, j'adore ce que tu fais, tes émissions sont formidables. Je voudrais que tu le reviennes plus souvent, parce qu'il y a les gens de Volnavélo, ils sont en train de nous copier, ils vont pas tarder à monter des startups. Oui, bon, bah Dédé, tu vas me laisser finir mon stream, tu seras gentil, parce que je fais la review, là, du truc. Et donc, pour que j'arrive à déconner en même temps que je joue, c'est que ce jeu était pas très dur. Je confirme. Donc si vous êtes débutant, je pense que c'est un titre qui peut se faire les dons et vraiment calibré pour vous. Il y a juste un souci, c'est le redémarrage. Faites gaffe à pas paumer votre armement, quoi, parce que ça peut être un peu dur. Le réveil peut être dur. Et oui, c'est comme dans Dune. Le dormeur doit se réveiller, mais finalement, n'est-il pas mieux en cryocongélation? Là, ça va. Le prix là. Oh, ça c'est perf quand même. Oui, ça bombe, parce que c'est pénible ça. Traite. C'est pas la taille qui fait l'importance. On vient de le voir en temps réel. La petite seconde et demie d'invincibilité, c'est pareil. Elle était en option, je crois. Je le note. C'est par nos échecs qu'on nous apprend. Donc je viens de paumer mon super armement, on va voir si ça va pas trop mal se passer pour mon grade. J'ai des doutes. Apparemment le jeu s'adapte. Là il a pas fait popper. Ah, si. J'ai trop rêvé. Fallait pas rêver autant. Parce qu'il va t'arriver des bricoles à force de rêver. Et elle était bien placée cette bombe, je trouve. Et je vais en placer une autre, je pense. Parce que voilà. Je me sens pas bien là, je me sens à l'étroit. Il était bien désagréable ce truc. Oui, ben, j'aurais pu bouger en vertical, tu me diras, mais j'ai pas eu le réflexe. Comment ça, Game Over? Non. 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 Reserve your name. Ok. Oh. Est-ce qu'on veut continuer? Ah que oui! Parce que si le jeu a en plus le bon goût d'être long, ça peut être vraiment sympa, quoi. Alors, c'est peut-être pas la taille qui fait, mais vous avez vu, la longueur dans un jeu quand même, c'est important. Oh non, allez, j'ai le bon tir. Je ne change plus jamais de tir. C'est le tir anti-cafard, anti-coccinelle, anti-tout, anti-titane. Je bombe si on peut trop la misère. Ce tir est juste. Tu m'entends le débutant? Regarde bien ce tir. Oui, toi le débutant, tu vas one CC ce jeu avec ce tir uniquement. Et je te le promets, quoi, tu vas y arriver. Parce que c'est carrément Sosa. Ce tir est diablerie. Ce tir est Odin en slip, aurait pris toutes les drogues du monde en même temps. Et serait en train de se finir au champagne, quoi. Ah
Oui, ne change plus rien. Si tu veux un bonus, laisse-le surtout. Ça enchaîne là. Mon méga tir, j'aurais dû anticiper parce que je savais pas comment fonctionnait ce méga tir et il m'a fait une sale blague. Il a pas du tout fonctionné comme j'avais prévu moi. Oh putain! Ça va mal se passer pour moi. On dirait, on est au troisième tableau, il me semble, ou quatrième, je sais pas. Donc c'est normal que je se réveille. Et ça devient bien là. Non, je ne te bomberai pas parce que je sais très bien que tu as un pattern suivant qui lui va vraiment me faire une grosse misère. Et tu ne veux pas le lâcher, mais j'ai déjà. J'anticipe déjà ma douleur. Un peu long? Oui, bon. Pff. Voilà, j'avais anticipé ma douleur. Non, on va se le faire calme, le truc. Je suis sûr qu'on peut être amis, en plus. Voilà. Et là, c'est parti pour la fête au slime. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va me réserver un nouveau troisième pattern, qui, lui, va être carrément pas drôle du tout. Genre le truc qui part instantanément dans ta gueule. Je voulais essayer de voir si je pouvais passer, ce qui est tout à fait faisable. Mais bon, je suis un peu le précieux. J'aimerais bien vous faire voir loin, sans insérer des crédits toutes les minutes. On se fait pas trop, ce n'est pas trop le genre de la maison. Bon, la vitesse de tir est relativement tolérable, donc ça va bien. Il est mort. Donc je vais pas le mettre dans le top en fait, parce que il est limite trop facile. Et il aurait fallu donc qu'il y ait cette chose qui a dû être oubliée d'être développée, un ranking, qui permet au jeu de s'adapter à votre niveau et de vous envoyer d'autant plus de saloperies dans la gueule que vous jouez mieux. Je prends et l'autre non. Et non. C'est pas P. Je m'en rappelle plus. P comme je me rappelle plus, exactement. Je vais faire toute la fin du jeu avec ça. Se tirer. Alors il peut être peut-être stress si je me prends une vague de nombreux ennemis. Je sais pas ce que ça vaudrait contre des vagues d'ennemis rouges. On va pas tarder de savoir peut-être. Mais ouais. Je le mets pas dans les top jeux, mais il est bien. Je le mets sur le dessus de la pile, sur les sélectionnés, c'est-à-dire les shoots sur lesquels on aime bien revenir. Pour se détendre le temps d'une partie. Parce qu'il est vraiment très agréable en fait ce truc et il a qu'un défaut, c'est d'avoir été mal distribué. Simplement. Et si vous êtes débutant, oui, foncez sur ce titre, il est chouette. Il va vous plaire. Parce que regardez, c'est mon premier run. J'ai jamais vu ce niveau. Je connais pas les trucs. Enfin, ça se voit d'ailleurs. Quand je dis un truc gentil, je me prends pas la gueule, faut que j'arrête la gentillesse. Et du coup, il est super accessible. Donc foncez sur ce damné jeu. Regardez pas maintenant, parce qu'on va aller jusqu'à la fin, du coup, moi, il m'a teasé. Mais ouais, spoilez-vous pas la fin si vous voulez réellement le faire, ce sera mieux. Oui, je sais, c'est très dur de se retenir, mais allez, un petit effort. En plus, je sens que vous avez envie de le faire. Mais je pense que le boss de fin, lui, doit être assez coriace. Je sais pas si c'est le dernier niveau en plus. Stage 4-2, let's go, pay the power speed. Bon, à partir de maintenant, tout ça vous tient. Pas trop, hein. Ouais, sur les murs en nombre, c'est pas top. C'est tellement pratique que ça verrouille tout seul, ce qui doit péter. C'est difficile de résister. Quel dommage. Très mauvaise anticipation.
Alors tiens-toi loin. Tiens-toi loin et reste bien dans l'écart entre ses deux bras. Ça va bien se passer. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Ne bouge plus. Bande de gueules intergalactiques. Je vous déteste. Ce dont je parlais en début de stream, donc, quand on perd l'équipement et qu'on arrive sur le petit passage un peu corsé, c'est un peu tendu. On va la voir. Est-ce que je pense... Il m'a sauté le passage ou j'ai rêvé? Ressemblait vaguement au Swordfish, ce que j'en ai vu de ce message. J'ai pas vu grand-chose. Mais t'as vu que lui, il va pas être très très commode, là. Non. Non. La traîtrise. Je sens qu'on va passer un méchant quart d'heure, les amis. Je vous le dis en vérité, je vous le dis. Non, mais ça passe sous les tuyères. Moi, je me mettais un but de ne pas passer sous les tuyères. Ah, j'en ai... Il y a un petit délai avec le déclenchement de bombe, apparemment. C'est pas un petit peu ça. Comment ça, t'es en train de le faire tout à la bombe? Bah oui, mais j'ai pas envie que ça dure. Oh, regardez-moi la belle surprise, le voilà. Hop, oh, hop, hop, hop. Magnifique ce mecha. Il est très... comment il s'appelle ce... Je parlerai après, je crois. Bah, c'est celui de la couverture en plus. Est-ce qu'il va oser me faire redémarrer là? Oui, super. Faut que ça tire un peu. J'avais vu venir le truc et mais j'ai pas anticipé tout ce qu'il fallait. C'est ça, tire-toi Polov, pauvre lâche. Ça voudrait dire... Ça sous-entendrait que... Un cinquième niveau. De joie les amis, que de joie. Ce jeu est vraiment bien. Je vous le recommande chaudement. Pas que parce qu'il est pas trop dur, mais... Il arrive un moment où les jeux qui ont été maudits comme ça et qu'on n'a pas eu la chance de connaître parce que, bah oui, un jeu c'est pas que du développement, hein, c'est aussi de la distribution, du marketing, des reviews dans des magazines et tout le bordel. Et il arrive parfois que la malédiction frappe. Et qu'un titre ne soit pas assez suivi. Ouh putain, j'avais presque le safe spot. Et du coup, on aboutit à ça. Qui connaissait ce jeu? Ah bon, je vous montre. Allez-y, montrez les doigts. Bah, je vois pas, y a pas de bol au canon. Mais bon, on est bien d'accord, ce jeu, il est génial. On prend un peu de café, ça ne fera pas de mal. Continuez, nous voulons. Au moins on saura si en plus il est long. Quoi. Parce que là déjà, même si ça devait s'arrêter au cinquième, c'est juste parfait. Il a fait le boulot. J'ai pas regardé le compteur sur le stream à combien de minutes on en est. On a dû faire la demi-heure, je pense. Alors fais-moi le malin. Il est tendu ce niveau, je pense que c'est le dernier, parce que s'il y a plus dur après, je donne pas cher de ma peau. Là, va falloir mériter un petit peu les passages.
ce tir là moi. C'est pas très malin. Voici la quantité de. Le génie en herbe qu'il y a. Nom de Dieu. Ils sont pendus ceux-là. Avec le tir éclair, ce qu'il faut, c'est se baser sur la temporisation en fait du tir. Et éviter de se jeter sous les boulettes des autres, bien entendu. Ça, c'est un coup de pas de balle, on va dire quand même. Nous verrons la fin, quoi qu'il advienne, j'y tiens. Quelle saloperie ce truc. Vous sentez l'homme qui en bave? Oui, c'est moi. Je sais pas ce que j'ai pris, j'ai rien vu. Honnêtement, j'ai pas vu d'où ça venait. Le petit truc au milieu, il me semblait l'avoir flingué, alors à moins qu'il ait repoussé. C'est pas un miracle miraculeux d'ailleurs. Si, oui, bah, pff, non. Très mauvaise volonté là, les gars. Si c'est pour faire ça, tu restes chez toi. J'ai bouffé tous mes crédits. La bombe met un poil de temps à se déclencher. Vous avez entendu le dernier quick, c'était la bombe. Il s'est rien passé à l'écran, c'était juste triste. Oui, je vais m'en débarrasser comme ça parce que eux, ils sont pas sympas. Et j'aimerais bien avancer. Et ce tir apparemment n'est pas du tout adapté. Ou alors je m'y prends comme un manche aussi, c'est votre option qui est tout à fait viable. Le jeu, en fait, est facile et super sympa, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il m'a fait avancer. La zone que je n'arrivais pas à passer, bah, on l'a passé. La bonté de ce jeu l'a perdu, je pense. Parce que on n'a pas idée d'être aussi sympa. Quoi. Le dev, ça devait être un hippie, en fait. Mais c'est pas un défaut, hein. C'est mignon. Il y a bien des gens qui ont fait des batailles de l'espace avec des chameaux multicolores. Que je n'ai toujours pas streamé. Oui. Je voulais tirer ma bombe, mais il y a un petit décalé, un petit délai. Oui, on va abréger un peu la douleur parce que le but c'est pas de dormir dans le jeu non plus. Là, ça fait un peu long pour un boss que j'imagine final. Il a quand même réussi à mettre un coup de poing. C'est quand même la première fois que je finis un jeu avec un boss qui se bat à coups de poing dans son vaisseau. C'est énorme. Et qui m'en met plein la tête. Oui, ben j'ai un piou-piou pour finir, mon gars. Donc, tu fais avec ce que j'ai. Hein. Je mets toutes les bombes dans la tête, comme ça c'est fait, et je me barre. Comme un gros lâche. Comme un gros lâche. Comme un gros lâche.
Alors, que se passe-t-il? Je l'ai pas fini, il sort de l'écran, il se barre. Je suis sûr qu'il a repéré un spatio fast-food et va se ravitailler pour m'en remettre une deuxième couche. Parce que si j'ai fini le jeu sans démonter le boss final, c'est la honte totale. Je vais préparer mon chapeau de la honte. Je crois que il faut que je sorte. Non, il y a encore un niveau. Oh là là. Non, mais ce jeu est... Ce jeu est la bonté incarnée. Bonté en boulette, bonté en jeu, en gameplay, bonté en tout ce que vous voulez. Les gars ont été sympas, quoi. Ils vous ont fait un soft. Long. Bon. Il était juste entouré par des marketeurs merdiques au possible qui n'ont pas fait leur boulot et qui n'ont pas permis à ce titre d'être connu. D'ailleurs, depuis le début, vous avez remarqué que je ne redis pas son nom. Parce qu'il y a un oubliant en trop que je saute à chaque fois et je l'entends. Donc je ne redirai pas son nom tant qu'on n'aura pas fini le jeu. Qui est génial. Trouvez-le. Non, t'as pas besoin du nom pour trouver un jeu. Regarde, tu fais comment avec les images de Castor tout nu? Bah oui, pas besoin de nom. Oui, toi, il faut que je me que je me fasse une petite place. Je retrouve le mode où j'étais là. J'étais dans un bon mode. Et voilà, le fluide a foutu le camp. Je ne suis plus dans le mode. Alors je vais faire pitié, ben, faire peut-être passer le tableau. Il faut vraiment que je fasse très pitié. C'est pas tout le monde qui est autorisé à passer le tableau. Faudrait peut-être que je m'acharne sur les verts au lieu du rouge. C'est l'autre bonne option. Oui, bah, quand je dis que je ne connais pas un jeu, je ne le connais pas, je ne pipote pas. On va le passer, on va le passer. Alors, un petit peu dans le vide. Faut déjà qu'au démarrage, je me trouve un endroit où je suis à peu près bien et ordonné pour faire mes placements et me préparer pour la suite. Apparemment, ça va pas le faire. J'ai passé les bombes comme un con. Me voilà, tranquille. Hein. Le passage qui voulait pas, je l'ai nettoyé vraiment très sale. Et là, je mérite quoi? Je mérite quoi? Je mérite un boss qui m'en mettrait plein la tête. J'hésite. Non, bah je vais garder ça. Ah, j'ai plus de bombe. Drame. Alors ça tire sur le côté, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui se passe. Ce tir est tellement puissant qu'il détruit l'ennemi avant qu'il ne pénètre dans l'écran. Donc plus personne veut venir jouer avec moi du coup. Les gars se chient dessus dans l'espace. Donc quand on connaît... investissements que c'est des spatiaux toilettes, je vous garantis que je leur coûte une blinde à part ma technique. On s'est pas déjà vu tout, mais le... Oh fuck. Oui, je voyais l'écran un tout petit peu plus large. On est gourmand. C'est encore des tableaux après, ce jeu va être abondance quoi, il va être juste incroyable. C'est quoi? On va faire la bonne technique, hein. Et je me débarrasse maintenant, c'est autant de souffrance en moins pour après. Maintenant que ça c'est... Non mais faut que j'arrête de me jeter sous les boulettes aussi. En plus, pile au moment où il change ses patterns. Alors on disait, ça, plus, ah, il n'y en a plus déjà. Bon, bah maintenant c'est réglé. Je vais gagner. Je ne vais te laisser aucune chance, cette bestiole de l'espace. Je vais pas arriver à passer ce boss. Non, je vais pas me laisser démolir comme ça. Apprends vite. Apprends efficacement. Apprends maintenant. Espèce de petit churène. Apprends vite et reste au milieu quand il fait son pattern modifié après. Ouais, c'était juste ça. C'était trop juste. Voilà qui est radical. Mais au moins, les choses sont claires maintenant. C'est qui le roi de l'espace?
C'est mieux là. Non, c'est lui. Oh, que c'est moche ça. Il va me mettre un coup de... C'est quoi, de pied? Bon, un coup de tentacule dans tous les cas. Je vais pas y échapper. Ou alors difficilement. One up, yes. Merci à toi, tir magique électrique. Je confirme, je ne te quitte plus, quoi. Je te garde jusqu'à la fin du jeu. Non, je veux pas le tir rouge. C'est hors de question. 35 minutes. Et je regardais le compteur, ça compte pas. Fais pas redamarrer plus loin. A chaque fois, je tiens à me mettre sur un tir de ces vaisseaux verts. On y retourne. Niveau crédit, je suis pas très rentable sur cette affaire. Six suites. On n'a pas fini les amoches. Est-ce que le vaisseau, s'il te plaît pas, tu le laisses? Après, on va laisser les choses. Parfois, faut pas trop insister. Oh, oh. Non, non, mais là, vous voyez, pff, les deux faisaient la paire, et comme la paire, il n'y en a pas deux. Ça s'est forcément mal passé. J'aurais même pu à trouver des traits d'humour humoroïdes. Voilà. Est-ce que je changerai de tir? Je ne sais pas. C'est fait. Non, je sais que j'aurais jamais dû changer ce tir. Non, ça va. J'ai oublié. Je focusais sur la tourelle de juste avant. Et dans mon grand désarroi, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Lui, il va rester vivant. Ouais, bah tant pis pour lui. Mes petits missiles ne l'achèveront même pas. J'aurais dû garder mon électricité statique. C'était tellement mieux. J'arriverai plus maintenant. Je suis désolé pour le calvaire. Mais au moins, vous le voyez en temps réel. Alors parfois, je dois avouer qu'il y a des jeux sur lesquels ils sont tellement bien, je les ai jamais fait, mais on les connaît de réputation, la réputation les précède. Putain, mais non, laisse-moi ramasser le bleu. Et du coup, bah, on a la pression parce que le soft, c'est un soft, on n'avait pas la console, tout le monde n'est pas le fils de Rothschild. Donc on n'avait pas soit la console, soit les bornes n'existaient pas, proximité, bref, opportunité, patin coup fin. Et donc... Bah, souvent, je dois aborder des titres à la réputation sulfureuse, qui sont des must play, quoi. Et du coup, je ne peux pas jouer convenablement dessus, vu que j'y ai jamais mis le pad, et je connais pas la moindre des patterns du truc. Donc du coup, c'est super pour nous, parce que vous avez double pression, c'est-à-dire assimiler en temps réel et en un temps record ces fucking patterns incroyables. Ouh là là, lui, il va être sympa, je sens. J'y vais, moi je continue. Laissez-moi partir. Je veux partir. Je reprendrai ma théorie plus tard, si je survis. Oui, bien sûr. Le trrrr, j'ai adoré. Je crois que je retiens que ça de ce boss d'ailleurs. Là on en a une fortune, hein, de crédit. Ça fait 2 fois 9. Ce qui fait quand même pas mal de proche de 20, quoi. Je peux même pas prendre le temps de tousser. 20 euros quand même pour ça. Oui, je joue comme une buse. Ah, mais tirer ma super bombe ne me protège pas de ces lasers. Ok, j'enregistre. Faut pas que je me rue dessous non plus, c'est pas une très très riche idée entre nous. Bien là-bas. Ce fut laborieux, je suis désolé. Il n'était pas super compliqué, mais c'est ce que je vous disais dans ma théorie, la double pression.
Il faut qu'on fasse voir un truc en entier et en plus il faut qu'on apprenne les patterns en temps réel et des fois c'est loin d'être évident. Et c'est pas fini. Ce jeu est Crésus. Par contre lisibilité là, les petits trucs marrons, ça commence à devenir un petit peu chouchou. Ne change surtout pas de tir, sinon tu vas pleurer. Avance doucement, avec discernement, repère bien le fond, repère bien ce qui est au-dessus, et tu vas y aller tranquille, sans stress, sans panique, sans pantalon, bon, tant ça. Il est infernal celui-là. C'est pas passé loin, accumule bien tes bonbombes, hein, ce serait moche de... Il y a qu'au petit gravillon, voilà, parce qu'en général, c'est pas le gros caillou qui te casse la gueule, hein. C'est le petit. Oui, bon, je fais ma technique de gros lâche, mais regardez-moi ça, si c'est pas payant. J'aurais juste récupéré ma bombasse à l'occasion si ça ennuie personne. Mais apparemment, il y a des gens qui sont variables. Ouh là là, on va y aller comme ça, là. Oui, ben, même technique. Même symptôme, même résultat. Non ! No, I don't believe it. It was good. Vous sentez la sadness dans ma voice ? Oui, bon, on va se la faire un petit peu, Jean-Claude Van Damme. Hein. C'est ça, je devrais faire un stream présenté exclusivement par Jean-Claude. Je pense que ça peut être bon. Non, non, non. Ça c'est check, ça c'est double check, comme ça ne parle plus. Et là je peux, hein, focus sur autre chose les gars. Y'a moyen de... J'ai plus de bon. Pas moyen. Commence à y avoir du monde ici. Déblaye bien, déblaye bien, déblaye bien. Je sais pas si c'est une bonne idée, on va prendre le rouge, hein, ça changera. En plus, il m'a fait un petit nettoyage qui est juste parfait. Pourquoi ? J'étais bon là, j'avais le one-up sous le nez qui me tendait la pastille, quel drame ! Est-ce que je vais oser dire qu'il est dur dans ces derniers niveaux ? Bah, oui, mais c'est un petit peu normal, non ? Le truc nous a pas trop mal mené jusqu'ici. Vraiment, vraiment pas aller dans les angles. Hein. C'est moi qui fatigue. On va jamais voir la fin du coup. Alors ce stream va faire 2h50. Fait peine, donc du coup il me fait avancer le passage que j'ai sur lequel j'ai buté comme une mouille, qui est vraiment très aimable mais qui n'est pas en sa faveur encore, le pauvre jeu. Là, les devs ont dû se faire engueuler par le marketing, c'est pour ça qu'ensuite ils l'ont très mal distribué pour se venger, ces espèces de cons. Ça doit être ça la légende en fait. Ma théorie est totalement fumeuse mais elle a une certaine forme de crédibilité en fait. J'avais pas bougé, gars. Tu veux bien me sauter de passage? Je commençais à y prendre goût, en fait.
Oui, bah, je vais faire deux bombes d'affilée, hein, parce que là, la rangée va peut-être pas être très clémente avec moi. Ah non, il m'a sauté le passage, what's the game? Je ne suis plus trop généreux. Je trouve quand même moyen de me détruire tout seul. Je regardais ces tentacules qui bougeaient d'un air si hypnotisant. C'était juste magnifique. Ne regarde pas les tentacules. Voilà, contente-toi de tout bomber. Et même en bombant tout, ça ne suffira pas. Là, c'est quand même consommation express de crédit. Alors, la fin du jeu, elle est peut-être. Il devait peut-être en avoir marre aussi de coder les gars. Donc, ils se sont dit, bon, maintenant, on va faire un jeu. Si le gars, il veut pas gagner, on va le savoir tout de suite. Il y aura pas d'embrouille. J'ai le bon tir! Non! J'avais le tir de rêve. Parce que là, je pense que je me mets entre les deux et j'attends patiemment en esquivant. Et ça devrait bien se passer, quoi. Vous me sentez pas comme ça, vous les gars? Tranquille. Tranquille. Voilà, tranquille. Dernier tranquille. Là, c'est fini la tranquillité maintenant. Maintenant, c'est le stress. Tu le sens, le stress? Comment ça, tu joues comme un dieu? Oui, mais ça va pas durer, regarde. Eh, j'étais focus, hein, pourtant. Une petite bombe près, ça se serait presque bien passé. Ils arrivaient à en buter, ces enfoirés, en plus. Pour la peine, pour la peine, tu repars là. Ça commence à devenir vif. Ah, on a demandé un boss, ne quittez pas. Non, pas encore, pas encore, tu ne mérites pas. Tu n'as pas été assez sage. Oui. Et si, c'est bien le boss. Ouh. Et ce n'est que... Il va se passer un mauvais truc, je le sens. Quel ennui. Affaire à la brutale. Hein. Au moins là, c'est réglé. Tu sais que t'as plus que ton skill avec toi. Et tes yeux éventuellement pour pleurer. Quel calvaire! Dommage! Faut que oui, qu'on va se terminer. Pas ce que c'est ça, ça veut pas. Ça ne veut pas. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Ça va être super bad. C'est pas trop mal passé quand même pour le champion du monde de mode de l'Union des dimensions voisines et parallèles. Serait-ce l'ultime niveau? Nous le saurons tout de suite après la coupure météo. Quelle folie ce jeu! Mais quelle pure folie! Que des bonus, vas-y, fais-toi plaisir, serre-toi. Et le revoili! Et il est vénère! Et il est super vénère! Oh là, il tire vite! Il tire vite en plus! Ah, le fameux pattern croisé, celui qui vous déconcentre, surtout quand il part avec une certaine vélocité, où il commence à vous dire que ça va pas super bien se passer, je sens. Ouh, je suis colère. Reste ton calme.
tu as. Il y a encore pire, il y a encore pire. Alors, oublie la vélocité, concentre-toi sur le pattern. Alors là, si je dois vous faire un dessin du backstage, je commence à suer sous les aisselles. C'est un signe. On me signale en régie que j'étais pas obligé de fournir ce détail. Bien entendu, lui, je recommence à lui parce que lui, je l'aime d'amour. Et le même d'amour aussi, regardez. Un vaisseau en moins déjà. Eh ben, ça fera un vaisseau en moins pour le prochain. Hein. Dites-moi pas que je veux pas finir ce jeu parce que je suis arrivé jusqu'ici, que je ne connais pas les patterns, mais alors en 10 ans, est-ce que je les apprenne? Ce serait très moche, ce serait très laid. Et ce serait très mauvais pour l'audience. D'être sympathique en plus avec ce titre, ça serait moche que je le massacre pour le tout ultimate dernier boss qui, comme dans la plupart des jeux, a cette normalité de particulièrement injouable. J'ai même pas une serviette pour m'essuyer. Non, ça coule vraiment, je ne plaisante pas. Non, ça c'est ce que tu voulais pas faire, évidemment. Ce tir est sympa. Le Fire and Forget, c'est juste ce qu'il faut pour eux. Comme ça, je fais que lire les patterns et puis hop, on passe à autre chose. Non! Mais je lis bien mal les patterns. C'est 1, 2, 3, c'est comme la valse. 1, 2, 3, tu te décales. 1, 2, 3, tu te décales. 1, 2, 3, tu te décales. C'est pas sorcier, quoi. Même un enfant peut le faire. Comment ça, on dit pas un enfant? Regardez les zones, c'est bien. 1, 2, 3, comme la valse. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, boum. Ma bombe, pourquoi elle n'est pas partie? La valse. Nouvel épisode. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merde. Faut bouger un peu, faut pas bouger beaucoup, ça sert à rien. Bah, ça va être dur de vous faire voir le dernier boss. Est-ce que je continue? 52 minutes, on me dit en régie. Ça commence à être long pour un shoot de 1997, non? Chirien. Même retrouver le nom en fait. En tout cas, je l'aime beaucoup ce soft, mine de rien, même s'il m'en met plein la gueule, ce qui est un peu normal. Sur soft, ça se parcourt pas de A à Z du premier jour où on l'achète, où on le déballe. Et du coup, c'est vachement agréable. Ça vient de se passer, ça vient de se passer, ça vient de se passer. Et maintenant, Maurice. Le retour. It's charming birds. Et tu repars. On va rater le massacre, les enfants. Si vous voulez voir le boss de fin, il va falloir le mériter, moi je vous le dis. C'est pas un piéton là, qui ne connaît pas le jeu, qui n'a pas au moins ses 50 heures de jeu dessus, qui va lui faire la morale. Même en apprenant la valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, t'es mort. Blaoum! Et oui, je suis sorti comme une brute, sinon j'allais continuer encore. Shenryu, c'est totalement validé, c'est un très 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 bon jeu maudit.
Si vous avez l'opportunité, essayez-le. Faut absolument foutre la main sur ce titre et puis vous amuser parce qu'il est vraiment très très amusant. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la courante et non pas ce que vous imaginez, la classique. La classique, faut choisir ses mots avec vous, c'est difficile, et celle des shmup. Et pas de stream bonus, mais par contre vous avez le droit de vous abonner. Je bug. À demain à 19h. Ciao!